Salut bande de gens, c'est Monty Cora. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Uncharted The Lost Legacy. Allez, c'est parti. On continue là où on s'était arrêté la dernière fois. Ce sont nos vieux amis, Parashurama et Ganesh. Bon, moi je les enchaîne les vidéos, hein, mais quand les dieux vous ce sera... Ouais, je mettrai peut-être deux vidéos par semaine, je pense. Ouais, c'est ça. Je mettrai une... j'en mettrai une le mercredi... Non. Bon, j'en sais rien. À vrai dire, je sais pas. J'en mettrai deux sûrs, mais les jours de la semaine. Bon, allez, mercredi et samedi. Voilà. J'en mettrai une le mercredi et une le samedi. Allez! Oh, les catacombes! Oh non, on va pas encore avoir une énigme à la con. Voyons ça. Ah, super. Enfin, une qui fonctionne. Oh, mon chéri. Et voilà. Enfin, un peu de lumière. On se croirait dans une crypte. Il y a des maquillages partout. Là-haut. Ça va sentir la mort là-dedans. Oh, mais voyons, putain, mais un peu de respect pour les morts, quoi. Oh. L'autre, elle écrase tout avec, ses gros, avec son gros cul, quoi. Ça a pas suffi à sauver l'Empire. Bon. Oula. Ah ok, elle a pas envie de monter, elle est obligée de faire le tour, tu sais. Voilà notre entrée. Ah mais c'est ce que je dis, aucun respect pour les morts. Hein. Nadine. Ouais c'est ça, ils vont le dégager. Bien sûr. Quelle bande de salopes. Encore un ? Toi. Normal. On doit se rapprocher. On est plus proche que ces types. Ouh. Ça sent la grosse énigme de merde. Oh, c'est différent. C'est quoi tout ça ? Eh bien, je suppose que c'est une sorte de mécanisme qui sert à ouvrir cette porte. Ok, sur la gauche, on a Shiva offrant la hache à Parashurama. Et sur la droite, on a Parashurama coupant la défense de Ganesh. Attends, avec la hache? Ouais. Celle que Shiva, le père de Ganesh, a donnée à Parashurama? Ouais. Oh. C'est tordu. C'est ça, la famille. Allez, on essaie d'ouvrir cette porte. Alors, comment ça marche ? Ah ouais. C'est des jeux d'ombre, au fait. J'imagine qu'on le découvrira au fur et à mesure. Alors ça, c'est la hache. Si je le pousse ici... Ouais, bon bah... Voyons ce que ça fait. Bien, ça fait glisser. Ah ! C'est bien parti, mon vélo. Ah, l'autre morceau de lâche. Peut-être le faire avancer un peu histoire de rapprocher la perspective. Toi, non, ça marche pas. C'est moche. Attends, on va aller en deuxième plan. Ah oui, putain, il y a cet écran là aussi. Putain, merde. Ah, j'ai réussi. enfin, j'ai réussi la première partie, on va dire. Attends, alors la logique veut que... Si celui-là je le pousse, logiquement, l'ombre arrive quand même au même endroit, bouge pas. Ah voilà, l'ombre de Shiva, elle a pas bougé. Par contre, elle a bougé ici. Ça fait bouger le truc ici, d'accord. Donc... là, il y a ça, donc on pousse ça comme ça. C'est comme ça. Voilà. Okay. Ensuite. Voilà, j'ai Shiva, j'ai la corne ici. De ce côté, bah du coup, j'ai plus la hache. Elle est où la hache? D'accord. Voilà, donc là j'ai tout.
Ah d'accord, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Bon, c'était facile. Je crois que c'est bon. J'entendais la plus casse-couille et la plus dure. À vrai dire. Pour tout vous dire. Salah et le tigre. Ah, encore Salah Haldin. Allons-y. Croise les doigts. C'est normal ça? J'en sais rien. Va pas nous faire tuer. Rabat-joie. Prête? Oh, oh, oh. Fais gaffe. Incroyable. Mon nom est un Shiva. J'allais le dire. C'est bon, tout va bien. Je t'assure, tout va bien se passer. Bien? Elle est où cette défense? J'en sais rien, tout ça n'a aucun sens. Si, bien sûr que si. Léo et Salah se payent notre tête, voilà! Je crois que t'as raison. Ah, super. Attends, écoute-moi. Ganesh est l'emblème de... Allez, Bidou. Et Shiva, c'est celui de... Belour. Belour, l'ancienne... L'ancienne capitale. Exactement. Et si le roi avait construit cette ville spectaculaire, et que c'était devenu une cible idéale pour les Perses? Pour qu'ils oublient l'ancienne capitale. Toute cette ville ne serait qu'un leurre. Peut-être qu'ils l'ont laissé se faire piller, pour protéger Belour. Et leur trésor. Je suis prête à parier que la défense a toujours été ailleurs. Toujours. C'est où, Belour? Merde! Là, je suis sûre que c'est pas normal! Il va tomber! Accroche-toi au rebord, vite! Oh, ça va tomber! Oh. Ah, ils ont vraiment le don de tout casser, hein, ces archéologues. Hein. Oh, c'est un scandale! Bon, du coup, c'était pas la vraie ville. C'est ça qu'ils disent, les deux. Bah, elle est où la vraie ville? Elle est cachée alors. Comme Shambhala dans Uncharted 2. Enfin, Shangri-La, plutôt, mais. Oh la pression! Oh la pression! Oh la. Oh merde! Ah d'accord. Mais c'était facile. Tu vas bien? Comment on a fait pour survivre? Le talent et un brin de chance. Hey. C'est du beau travail. Beau travail. Mon sac. Bon sang. Tu visais quoi? J'ai trop la honte pour toi. Je peux me tromper, mais... Il n'y avait pas une chute d'eau ici? T'as raison. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des aqueducs. Ils sont là pour récupérer l'eau des chutes. Oh, incroyable. J'en reviens pas de ce qu'on a fait. Bah... C'est moi qui ai tout fait. Frimeuse. Écoute... Pardon si j'ai touché un point sensible tout à l'heure. Oh. Ça fait rien. Je crois que vous vous seriez bien entendus, tous les deux. Il était con et arrogant, comme toi. Mmh.
sûr que tout ça n'est pas passé inaperçu. On ne devrait pas traîner ici. T'as raison. Suis-moi. L'eau est canalisée vers la porte. Alors, Marco! Pas là! Allez! On n'a pas le temps de jouer les Marco Polo! C'était vraiment ça en plus. J'ai eu un trophée. Je voulais faire ça pour m'amuser, ouais, ok, c'était... Ouais, c'est cool. Je savais pas que c'est là qu'il fallait faire le trophée Marco Polo. Ouais, parce qu'il y a toujours un trophée Marco Polo dans les Uncharted, que ce soit n'importe lesquels des 4. Des 5, des 12, bref. De tous ceux qui sont sortis, quoi. C'est vrai. Tu dois t'assurer que ton peuple te suive à 100%. Tu crois qu'Assav cache des trucs à ses hommes? Ouais, peut-être. Oh! Oui, mais c'est des méchants. Cassage de gueule! Je te tiens! Allez, dégage! Je te branle là, toi, sale bâtard! Je pense qu'il fait ça jeu discret. Mais... Oh! Ah, qu'est-ce que tu... Oh, mais non! Mais d'entrée, quoi! Oh! Oh, what the fuck, c'est quoi ça? Dégage, toi, cette bâtard! C'est quoi ce machin là? Toujours plus, quoi! Oh! Mais je suis comment? C'est une horreur ce passage en extrême. Mais arrête de me tirer dessus, je t'ai rien demandé moi. Oh, je sais pas comment je suis à le buter ce con, mais je l'ai buté. Ah ouais. Tiens. Non, 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 non. Ah, j'ai presque plus de balles. Non, mais c'est bon. Tu vas te marteler, toi, sale connard. J'hallucine, quoi. Non, non, mais cache-toi. Ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive, ouais, un scandale. Qu'est-ce que tu prends là, toi? Oh. Dégage toi! Comment me harcèle les mecs quoi! J'ai plus de balles, il me faut des balles. Pas des balles de flingue, des balles de mitraillette. Ah! Ah mais j'ai un deagle! J'ai oublié que j'ai un desert eagle, quel con! Ça va beaucoup mieux quand t'as une grosse arme. C'est comme quand t'as un gros zizi. Ah, un P90. T'es un sacré relou, toi, hein? T'es un sacré relou, toi, hein? Eh ben, je suis la Nadine. Ah, une porte! Allez, on s'arrache! Vous avez du mal à casser une porte ou quoi là? Ah, ah oui, c'est vrai. Ça pèse au moins 150 tonnes. Mais bon, vous êtes des surhumains. Vous êtes des super saiyajins. Oh. Wow. Où on est là? Aucune idée. Mais au moins, on n'est plus dans la ligne de tir. Le truc gravé sur le sol, c'est quoi d'après? Ah, bah j'ai pas de grenade. Ça présage rien de bon. Pour niquer le mur. Tu vois ces canaux? À mon avis, ils sont pas là pour conduire de l'eau. Oh.
Ah ouais, d'accord, les grenades servent à rien, on peut contourner le truc donc. Il y a de la lumière là-bas. Ah, je reconnais cet endroit. Ils l'ont montré dans la vidéo de l'E3. Enfin, de l'E3, on va dire. Il y a l'espèce de gros camion qui va venir foncer dessus, si je me souviens bien. Ouais, tiens. C'est la même vidéo, ok. De Shiva. Impressionnant. Mon expert n'a rien trouvé en une semaine. Vous devriez peut-être en engager un autre. Possible. Vous savez, il existe un poème Oïsala qui parle d'un jeune roi. Il était bon, alors il mit fin à nos rituels. Mais les anciens rois, eux, savaient que le progrès exige des sacrifices. C'est ça que vous dites à vos hommes? Très bien. Alors, dans les guerres, ces aqueducs charriaient du sang dans toute la capitale. Car ceux qui ne se battaient pas devaient alors servir d'exemple pour tous les autres. Ah, baston! Ah, le bâtard! Oh, bah, toi, le mec, c'est un super guerrier, quoi. Bah, hein. Et là, je te casse la gueule, moi. Arrête d'esquiver! Mais il est chiant ce mec! Putain, il m'emmerde! Tu te battes là, cette bâtard? Esquiver! Ah, d'accord, putain! Tu es fier de toi? Un peu, ouais! Faut juste esquiver! Ah ouais, faut l'esquiver, d'accord! Ouais, c'est un bosson carton quoi! Il faut d'abord répandre le chaos. Attendez! Je vais provoquer une guerre civile. Ensuite, j'éliminerai la misérable lignée du jeune roi. En commençant par vous. Bah! Boum! Ah putain, mais quelle bande de tapettes là! Cassez-vous là, bande de cons là! Allez, viens, je te casse la gueule, toi, sale bâtard! Ah mais il a perdu ses lunettes. Tu lui as des lunettes, hein. La dîme de des lunettes est un méchant. Je sais plus comment il s'appelle ce con, déjà tellement il y a un nom de merde. Oui, la petite corde, je vole. Et je me casse sa gueule. Et c'est fait buter. Vas-y doucement. T'étais inconsciente depuis une demi-heure. Une demi-heure? Ouais. Oh merde. Oh merde. Ah, ça m'a pris le disque. Calme-toi. Oh, il faut qu'on le suive. Tu calmes. Tu vas tenir le coup? J'ai connu des soirées plus mouvementées. Je veux pas savoir. Je suis contente que t'ailles bien. T'as une sœur jumelle, non? Ouais. Ok. Récupérons ce disque. Et des armes. Et des armes. Ça va, elle a fait une chute, elle a juste quelques côtes fracturées, mais elle peut toujours avancer, genre trop sereine. Je voulais te dire. Logique. J'ai raison à propos d'Assad. C'est vrai. Il paye vraiment pas de mine. Il trouve aussi? C'est exactement ce qu'il veut. Je suis sûr que ses lunettes lui servent à ça. Ouais, mais il a plus de lunettes, tu l'as cassé. Les deux. Il est intelligent.
Il était docteur avant d'embrasser sa cause. Alors il a abandonné une carrière lucrative. À un moment, il a cru que c'était la meilleure chose à faire. Hé, t'es sûr que tu peux continuer ? Mais oui, ça va aller. Avec une côte cassée, bien sûr, je peux même monter l'Himalaya si tu veux. Regarde, hop, je me porte à merveille. Normal. Le lavant dans le gâchemac. On peut encore faire des roulades avec une côte cassée, normal aussi. Allez, ouvrons ce truc. Ah la vache sacrée! Une vache sacrée. C'est Nandi. Elle garde la porte de Shiva. Ça doit être l'entrée de la vieille capitale. Ces aqueducs doivent ouvrir. Ouais. Asav s'apprête à entrer. Ok, alors entraîne pas, suis-moi. Non. Comment ça, non? Sam Drake. Son putain d'expert, c'est Sam Drake? Ouais. Chier. Tu sais quoi? C'est une bonne chose. Je vais faire d'une pierre deux coups. Nadine. Quoi? C'est un peu grâce à Sam si on est là depuis. Non, tu te fous de moi. C'était mon contrat. Sam partait devant en reconnaissance pour trouver le disque. Merde. Mais il a disparu et j'allais pas le laisser pour mort. Tu savais ce qui s'était passé entre Sam et moi et tu m'as embarqué. C'est ta relation avec Asav qui a fait de toi. On va surtout te retenir pas. Je me suis retenu. Tu sais quoi, Nadine? Ça change absolument rien. Tu auras quand même ta part. Ah ouais? Ou vous vous débarrasserez de moi dès que vous aurez la défense? Tu sais que c'est pas comme ça que je fonctionne. C'est exactement comme ça que fonctionnent ceux de ton espèce! Et dire que je t'ai fait confiance. Écoute, j'avais prévu de te parler de Sam, je te jure, j'attendais juste le bon moment. C'est pas grave! Je préfère marcher, de toute façon. Cette droite qu'elle lui a mis dans la gueule. Énorme. Oh mais c'est cool. Il y a un gros caméo du coup. Voilà, étant donné qu'on voit Sam en personne. C'est plutôt cool. Claque. Bon, il est pas très loin. J'espère que pas faire toute une route sans la voiture. Ce serait con. Ouais, toboggan. Moins vite. Moins vite. Eh ben, un bon bain de boue, ça fait toujours du bien. Bah. Oh. Bon. Moi, il me reste ma dignité. Ah, il y a de l'orage dans l'air. Polo a pété. Ok, elle a tout. Oh. Elle a tout cassé. Elle a eu de la chance surtout. J'essaie par là. Heureusement que j'ai pris des calmants. Oh. Oh du C4. C'est Bouini ça. Ouais c'est comme dans le 4. Faut l'amorcer puis faire le flèche du bas pour le faire péter. Ouais. Ça a rien changé de ce côté là. Oh bah c'est fait buter Nadine. What the fuck. Oh non pas encore lui quoi. Ah d'accord. Bon bah si tu le dis.
faut que je la rejoigne. Elle a pris Bagdad, hein. Dire adieu à la caution. Non, on va pas se taper le blindé quand même. On va pas se taper le blindé que même. Ce serait complètement con. Insas, c'est de la merde. Ouais, le Insas, c'est de la merde. Viens là, je te hâte les couilles, fils de pute. Allez, bim, dégage. Hop, leur appliqua. Non, on va vraiment se le taper, ce putain de blindé, là. OMG. Je rigolais quand je disais qu'on allait se le taper, moi. On va vraiment se le taper. Mais on va appeler Jean-Michel Tapin. On va le C4er, hein. On va mettre du C4 sur sa gueule. Hein. De toute façon, il n'est pas dans ce roquette, donc je vois que cette solution. On va essayer de la jouer vraiment fufu là, parce que si je joue pas fufu, je suis mort. À mon avis. Oh, la chatte que j'ai eue, quoi. Alors, je crois que tout est ok ici. Non, tu me vois pas, toi, de blindé. T'as pas le droit. Allez, boum. T'es mort. Putain, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là. Ah, silencieux. Nice. Yes! Je l'ai eu. Toi, tu vas te dégager parce que tu m'emmerdes. Allez, viens là, que je te fasse tomber, fils. Allez, dégage. Voilà. C'est encore la même box. D'autres C4. Parce que je pense qu'un seul C4 ne suffira pas. Ah d'accord, on revient là où on était tout à l'heure. Ah, une boîte. Allez, donne-moi notre roquette, sois gentil. C'est bien. J'aime quand il m'écoute. Allez, boum! A plus, le plus! Oh putain! Ah ouais? Il y a carrément des renforts. Ah ouais, tu m'emmerdes, toi! Putain, il est vénère, lui. Il est quoi comme arme, ce con, pour tirer aussi rapidement? 1P90. Non, tombé 90. Tiens, tu m'emmerdes, toi. C'est bon? Tout le monde s'est calmé, là? Ah ouais. Bon. Plus personne. Pauvre cloche. Et voilà. Même pas un merci. Attends, tu m'as carrément menti. J'ai pas menti.
J'ai juste préféré ne pas te parler de Sam. Incroyable. Écoute, Asav va prendre de l'avance. Il faut pas qu'on traîne. Écoute. Allez, crache le morceau. Ok. On joue carte sur table. J'ai besoin de ton aide. Il fallait penser avant. Et toi, de moi, si tu veux la défense. Ok, j'aurais pas dû. D'accord? C'est ça, tes excuses. Si ça t'aide à te calmer, on va dire que oui. Écoute, là, on a toutes les deux quelque chose à faire. Tu comprends? Que ce soit bien clair. Ma priorité, c'est la défense. Pas Sam Drake. Et encore moins toi. Je comprends. Nani. Attends. Je vais peut-être remonter un peu le son des dialogues parce qu'on n'entend pas grand chose. Enfin, c'est l'impression que j'ai. On va peut-être mettre à trace les dialogues quand même. Parce que je sais pas, faudra que je revoie les replays, mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas même dans les cinématiques, donc bon, on verra ce que ça donne, écoute. Au pire, je m'en bats les couilles, j'ai sa 12, si on entend un peu plus fort, un peu plus les dialogues après, on s'en casse. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'assure qu'on nous suivra pas. Très bonne idée. C'était quoi ? Cours, salope, cours ! C'était dans la caverne, noire et glacée. Que se passa? La fin des temps. Incroyable. Oh, ça alors. Les rois ont fait entrer leur peuple dans ces tunnels. Quoi? On n'a pas trouvé l'entrée, mais la porte de sortie. Ok. On dirait un puits à degrés. Tu t'en fous. Chut. Attendez. Maintenant, oui. Un puits à degrés. Je ne sais absolument pas ce que c'est, donc si vous savez, mettez-le dans les commentaires si vraiment vous savez ce que c'est pour m'expliquer, parce que, à vrai dire, un puits à degrés, je sais vraiment pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien, mais c'est proche. Oh, le pauvre éléphant ! Tu vas me dire qu'on va lui dégager les piliers alors qu'on... C'est ça, oui, bien sûr, bon bah... Toujours plus, quoi. Ça va aller. Elle est coincée. Je crois pas qu'elle soit blessée. Ça a dû s'effondrer à cause de l'explosion. Douce. Chut, chut, tout va bien. Désolée. On va te sortir de là. Bon, je vais bien admettre qu'on a plus de force dans les jambes que dans les bras, mais là, il y a des limites, quand même. C'est un peu du n'importe quoi. Si vite. Oh, énorme. reste calme. Tu me parles à moi ou à l'éléphant? Les deux. Tout doux. Tout doux. Une petite balade à dos d'éléphant, c'est cool. Où sont mes éléphants? Ok. Ils nous emmènent. Oui. Je peux même pas le contrôler, cet éléphant de merde en plus. Il se contrôle tout seul, le truc. Tiens. Ah, une branche d'arbre. Ah, tiens, une autre coco. Voilà. Bon, c'est une mangue, à mon avis. Ouais, on dirait des mangues qu'elle lui donne à bouffer. Encore ? Et voilà, régale-toi, petit éléphant. Bon appétit. Après, on va te buter et on va te manger. Bien sûr que non. C'est interdit par la loi. C'est joli. C'est joli beau. Putain, c'est long quand même. La balade à dos d'éléphant, là, ils ont fait ça pour meubler ou quoi? Ou c'est qu'ils avaient plus d'idées, j'en sais rien, mais... Je bois Vichy, je bois Célestin.
Écoute, je... Je suis pas très douée dans ma relation avec les gens. T'es qu'une conne égoïste. Ouais. T'as raison. Je suis qu'une conne égoïste. Ouais. Ça fait du bien de l'entendre. Alors, t'as entendu ça, papa ? J'ai finalement hérité d'un peu de toi. Il est arrivé quoi à ton père ? Il était du genre à jamais rien lâcher. Le ministère de la Culture lui a proposé de financer une autre de ses expéditions. Parce que cette fois, il était sur un gros coup, comme il disait. Il était toujours sur un gros coup. Mais des bandits ont attaqué son campement et... Ils ont retrouvé son corps des semaines plus tard. Et cet objet stupide, c'est ce qui me reste de lui. Je suis désolée. Oh, ça va. Il a fait ses propres choix. Alors... Écoute, Fraser... T'as pas... Qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'il charge ! Dis-lui d'arrêter ! Comme si je parlais à éléphant ! Regarde-moi ça. Je comprends pourquoi elle était si pressée. Et à propos de Sam... Ça va, j'ai compris, ok? J'ai mes merdes à régler, moi aussi. Alors je te propose de mettre ça de côté. Ok. Ça marche. Allez. Comment elles sont cassées la gueule, quoi? Garde tes distances. Il y a un petit avec eux. Je sais. Ce sont mes éléphants. Ah, une photo. Attends, je vais la prendre celle-là. Ah, ok, merci. Pousse-toi un peu. Nickel. Maintenant, tends ta main un peu par là. Énorme. C'est le moyen le plus sûr de caresser un éléphant. Merci beaucoup. Je vous montrerai les photos à la fin de la game. Hein. À la fin du let's play, je vous montrerai les petites photos avant de quitter. Pour vous voir ce que ça donne, mais bon. C'est pas forcément obligatoire. Je le ferai parce que ça me plaît. Alors, type 95, flingue de merde. Et du C4, motherfucker. Et un coffre à ouvrir. Je bois Vichy, je bois Céleste, hein. Allez, ouvre là, putain. Ah, surprise, motherfucker. Du C4. La roue, ça s'est avéré que c'était de la grosse merde. Alors... Oh, putain. Non. Bah, merde, soyez où. Culé. D'accord. Vas-y toi, pas plus de soucis sèches là. Oh. Bon allez, une petite photo, un P, une bière et au lit. Bon, sur ce on va se quitter. Ici, ça fait 40 minutes. Je vous dis à la prochaine.